En fait, avec cette raquette, je trouve que l'important, c'est vraiment d'avoir le plan de frappe devant, d'avoir un bon jeu de jambes et de vraiment essayer de traverser toutes ces frappes parce que c'est ce qui va faire la diff avec le centrage de balle et avoir une trajectoire vraiment directe et bien contrôler sa balle.